On est à mi-chemin là-dedans. Salut tout le monde, c'est Rocky. Aujourd'hui, petite vidéo sur le défi du camo inestimable de la RAM 9 qui consiste à faire donc 10 éliminations en étant dans les airs. Donc voilà, petite vidéo pour montrer un peu les spots à faire. Ça peut être un saut de tout en haut de la tour de Rust, comme ça peut être juste un petit obstacle. Et vous sautez, vous faites juste un saut si votre dernière balle qui vous permet de tuer votre adversaire, vous n'avez pas les pieds par terre, ça compte comme une élimination dans les airs. Donc voilà, pour être sûr que ça marche, il faut avoir la notification saut mortel. Ça veut dire que votre kill était bien dans les airs et c'est validé. Moi franchement, je vous conseille une map, c'est Rust, tout simplement. Que ce soit en haut de la tour ou même comme je vous disais, des petits obstacles, des petites caisses, vous sautez et si vous arrivez à le tuer tout en étant dans les airs, ça comptera. Alors vous pouvez aussi le faire sur Chipmunt, mais bon, Chipmunt c'est un peu plus le bordel, donc autant de monter sur les caisses, je suis pas sûr que ce soit la meilleure map. Moi je pense que la meilleure map c'est Rust et comme en ce moment il y a une playlist Mosh Pit, de petites cartes. Vous avez donc Stash, House, Rust, Chipmunt et Meat. Moi, pour moi, le GOAT c'est Rust. Après, voilà, il y a des obstacles dans chacune des maps, vous arriverez à pouvoir le faire. Meat, il y a un camion, vous pouvez le faire, tout ça. Mais voilà, je vous conseille de jouer cette playlist et en priorité Rust. Ça peut être des petits sauts, des gros sauts, peu importe. Il faut que vous soyez, il faut pas que vos deux pieds touchent par terre et il faut que vous ayez surtout la notification saut mortel pour pouvoir valider ce défi. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.